Alléluia, le Dieu de Moïse est célébré. Alléluia, le Dieu de Moïse est célébré. Alléluia. Les
n'aimes pas la Jérusalem, tu ne l'aimes pas. Comment est-ce que tu es dans la présence du Seigneur? Nous sommes en train de le célébrer. Tu es venu le chercher, le rencontrer. On dit la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux. Et puis tu es assis, tu es arrêté, tu chantes. Tu ne l'aimes pas, je ne veux pas arriver là-bas. Alléluia. Alléluia. On a toujours dit, on a toujours répété, on continue encore de répéter. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas normal que tu sois timide comme ça. Alléluia. Alléluia. Quand tu dépasses le sol et ces portails là, tes soucis là, mets ça de côté. On est venu pour célébrer le Seigneur. L'atmosphère est très très dangereuse en ce moment. Nous sommes venus le célébrer pour connaître sa face, entendre sa parole, sa sémence, afin que vous soyez épargnés de tout ce qui est comme être célébré en ce moment. Les chants, par la grâce de Dieu, dans le moyen qu'elles peuvent pour sortir des cantiques actionnés, pour pousser le peuple à célébrer le Seigneur. D'autres sont assis, d'autres sont couchés à terre, d'autres sont dans la même position. La nouvelle Jérusalem, mais tu ne vas pas arriver là-bas. Si réellement tu vas arriver là-bas, tu dois te motiver par tes pas de danse pour le Seigneur. Ce n'est pas pour moi que tu danses, ce n'est pas pour ton voisin. Tu es venu pour un problème assurément. Tu ne sais même pas, non Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu qui supprime ses enfants. Pendant que tu seras en train de le célébrer dans ces cantiques-là, il peut t'écanter la situation. Alléluia. Amen. Mais tu dis que chaque demain, tu ne pourras pas en cela. La nouvelle épître, c'est là que c'est arrêté. De grâce. De grâce. De grâce. Pense à l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Je vais passer le micro au chant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sais réellement qui tu es venu chercher, tu sais ce qu'il faut faire. Assurément, tu as eu assisté à des concerts dans le monde. Tu as eu assisté à des concerts dans le monde dédiés au diable. Mais le Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, t'a épargné. Il s'est révélé à toi. Toi qui pensais qu'avant, tu le célébrais. Tu le louais, tu l'adorais dans la vérité, alors que c'était faux. Par sa grâce, il t'a épargné de la mort. Pour que tu vois ce jour, pour que tu connaisses la vérité qu'il est réellement. Je passe le micro. Personne ne reste à sa place. À moins que vraiment tu aies un problème pour marcher. Mais si réellement tu as la foi, même si tu es malade, tu as besoin pour marcher là, c'est à moi que tu peux dire, ah je suis fatigué, mais Dieu ne connaît pas ce langage là. Parce qu'il est le médecin par excellence. Tout le monde doit le célébrer, l'adorer, le magnifier. Si c'est ma tête aussi qui t'énerve, en tout cas je vais t'énerver. Mais il faut aimer le Seigneur. Alléluia. 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 Il a dit dans sa parole, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il n'a pas dit l'eau glacée, il n'a pas dit la glace. La glace là, c'est pour te baser sur tes ennemis. Toi, tu es un serviteur de feu, un servant de feu. Tout ce que tu fais, tout ce qui doit émaner de toi doit être puissant, redoutable. Parce que lui que tu adores, ce n'est pas un fléqué, il est puissant. Il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Quand tu as essayé avant de créer le ciel, tu dis, tiens, tu es fort d'être. C'est lui que tu es venu rencontrer ce soir. Il faut te lever pour le célébrer. Amen. Alléluia. Amen. Par tes paroles, il faut changer l'atmosphère. Faites descendre la puissance de l'esprit en ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Je passe le micro. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Reprends le cantique là. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Bye.
avant de regarder un ballon. Ce sport diabolique là. Quand ton joueur préféré marque, comme ton équipe a marqué, tu veux renverser même le fauteuil. Tu es venu célébrer celui-là qui a créé cette personne-là, mais tu se sont égarés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, faisons très attention dans l'adoration du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur voit, son cœur lui fait très mal. Alléluia. Amen. C'est comme si je t'ai forcé à danser pour le Seigneur. C'est comme si tu n'es pas conscient de ce que tu es venu chercher ce soir-là. Alléluia. Amen. Bon, si dans sa présence c'est comme ça, et les autres jours, quand tu es sur la maison, c'est que tu n'as même pas le temps pour le célébrer. Tu n'as même pas le temps pour le regarder. Aïe. Au commencement, Dieu créa les choses de la terre. C'est pas de Baye. C'est pas mon papa. Ce n'est pas mon frère. Alléluia. Amen. C'est la parole vivante, le Dieu véritable. L'ancien était l'ancien jour. Amen. Celui qui te maintient en vie. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la capacité d'incliner ton cœur. C'est lui qui t'accorde ce que ton cœur désire. S'il n'a pas dit stop, ça continue. S'il dit ça continue, il n'y a pas de stop. Quand il ouvre une porte, personne dans les cieux, personne en bas sous la terre, n'a la capacité de fermer la porte qui ouvre. Alléluia. Comment tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas? Quand il ferme une porte, il n'y a pas quelqu'un dans les cieux, en haut dans les cieux, en bas sur la terre, qui a cette capacité, qui a cette force de pouvoir la fermer de l'esprit. Mais tu as dû le célébrer. Tu as dansé, tu as dansé, tu as dansé, ça a dépassé toi-même là. Tu as dansé même cadeau. Tous les pères de sa fête, la famille voulait, d'autres ne sont pas contents. On dit bon, la longe est terminée pour un moment. Chacun traîne les pères, ça va s'asseoir. On doit les quitter. Un rendez-vous, ça va marcher. Il va s'asseoir et puis il est assis, il regarde son frère. Or, tu viens de célébrer un Dieu qui est puissant. Quand il déclare une parole sur tes ennemis, et tous, ils cherchent tout pour se cacher. Tu es venu le célébrer. Pour acclamer, tu attends qu'il dit non, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ta acclamation, là, ce que tu reçois, ce n'est pas pour moi. Ta acclamation, ce que tu reçois, ce n'est pas pour toi. C'est à dire que soi, c'est pas pour les hommes de Dieu, mais c'est pour toi, pour la gloire de Dieu, pour l'acclamation, pour percer le premier siècle, les acclamations, pour percer le deuxième siècle, pour l'acclamation, pour remuer, pour faire lever ton créateur. Malgré nos iniquités, chaque jour que nous faisons, nous passons en paix de nos pensées. Asseyez-vous, dans nos comportements, dans notre façon de faire les choses. Mais par sa grâce, tellement que son amour est puissant, ce n'est pas l'amour de mon père, frère. L'amour qui est mort de lui, ce n'est pas l'amour que donne le monde. Tel qu'il est puissant, tel qu'il est redoutable, tout ce qui est mort de lui est puissant, est réel, est sincère, est fidèle. Aïe, je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Je bénis le nom du Créateur pour ta amen. Vie. Je lui rends toute la gloire parce que par sa grâce, tu es là, tu respires, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Tu es assis là, il y a des personnes là, ils sont entre la vie et la mort. Alléluia. Amen. Mais regarde la grâce qu'ils accordent. Et puis tu viens dans sa présence. C'est façon sur toi. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Venir à Jésus-Christ, c'est très bien. Mais marcher selon ses préceptes, c'est encore plus mieux pour toi. Marcher selon son commandement, ça va te faire du bien. Par ton commandement, ça demande que tu aies un bon réellement converti. Ce n'est pas normal. David a pu dire, et tu le sais, c'est vraiment que tu vas t'informer. Plusieurs le savent. David est heureux. Le roi David est content lorsqu'on lui dit qu'il attend. Lui-même, il est pressé. Ça boue en lui. Il est pressé. Lorsqu'on lui dit allons dans la présence, dans la maison du Seigneur. Non. Ça veut dire que lui, c'est gâté pour lui. C'est pas une histoire de 500 milliards. Lui, c'est pas. Ça veut dire que quand il attend ça, c'est plus que de l'argent. Amen. Parce que lui,
lui qui va célébrer là. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est la solution. David est un roi, il est content, il se traite, un grand roi, il se jette. C'est pas son problème. Il sait ce qu'il gagne dedans. Alléluia. Tout le monde fait, c'est pas le thème du jour. Nous sommes là par rapport à une situation. Alléluia. Qui vraiment est en train de garder plusieurs. C'est concernant les fêtes que nos pères ont eu à célébrer de plusieurs manières qui continuent encore d'être faites. Même parmi les saints, ce soir tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est vrai que quelque part, tu participes plus physiquement. Mais sur le plan spirituel, il y a plusieurs qui participent à cela. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Quand la personne vient sur place, je dis tout gentiment, humblement, que vraiment, tu connais ma position. Je ne veux pas goûter à ta nourriture. Parce que moi, je ne fais pas cette. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas que tu oublies que quelqu'un préparé là. Tu as senti l'odeur, tu as apprécié, tu es dedans. Tu vas attendre aujourd'hui. Tu vas voir que tu as beaucoup à faire. Alléluia. Amen. Écoute bien. Tu dois savoir que nous sommes dans un monde de dualité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Avant qu'un sorcier puisse t'atteindre, si tu n'es pas sous la couverture du Seigneur Jésus-Christ, spirituellement, il va te faucher, il va te chicoter même. Il faut gérer ça d'abord spirituellement. Pour que cela arrive à l'existence physiquement sur ta vie. Alléluia. Amen. Notre ennemi, il est très, très, très rusé. Plusieurs sont là, mais moi, il ne fait pas. Alors que quelque part, tu as rendu un culte à cet esprit qui adresse cette fête, sans te rendre compte. Il faut bien t'asseoir. Dis à ton frère, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Tu vas te rendre compte que tu as eu à partir, même aujourd'hui même, tu as eu à célébrer ça encore. Il faut bien t'asseoir. Dis à ton voisin, il faut bien t'asseoir. Écoute ça bien pour ta délivrance aujourd'hui. J'ai besoin d'un lecteur. Un lecteur qui va aller avec puissance et autorité. Ecclésiaste 1, le verset 9 à 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 1 à 10. Ecclésiaste chapitre 9. Le verset 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Au nom de Jésus. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Ecclésiaste 1. Où il dit ce qui a été. Okay. Ecclésiaste chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il en se dirige. Amen. Tu n'aimes pas l'Ecclésiaste 9, 10. Alléluia. Je reprends la lecture. Ecclésiaste 1, le verset 9 a dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Sa parole dit ceci, que ce que nous voyons aujourd'hui, physiquement, spirituellement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. Ces mêmes choses sont passées avant. Gloire à Jésus. Ces mêmes choses-là se sont passées avant. Mais maintenant, ce qui est dangereux, c'est que la puissance, la colère avec laquelle l'ennemi travaillait a augmenté de grade. Sinon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand ils sont au niveau de l'homosexualité, au niveau de prostitution, il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Amen. Au verset 10. S'il y a une chose dont on dit voici ceci, c'est nouveau. C'est ce que je disais. Non, ça là, ça vient d'arriver. C'est faux, hein. C'est pour toi que tu viens de voir ça pour la première fois. Sinon, le soleil il est témoin de beaucoup de choses. Tu vois, ça, c'est quelle histoire ça encore? C'était là, avant que moi tu n'arrives. Amen. S'il y a une chose dont on dit voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous précédaient. C'est-à-dire qu'avant que nous-mêmes arrivions à un siècle, la chose était déjà là. Ça nous a déjà dépensé. On n'a plus trouvé ça. Ce qui s'est passé hier, c'est avancé, c'est dépensé déjà, c'est avancé déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Tout ce que nous voyons, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si c'est moi qui avais dit, j'ai dit que c'est faux. Tu as douté, c'est normal. Mais c'est Dieu qui a dit, c'est écrit dans les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amos 5, verset 21. Le Seigneur dit ceci. Je hais, je méprise vos fêtes. Quand je lis et puis j'entends, vraiment, j'essaie d'imaginer un peu avec quelle colère. Alléluia. Amen. Avec quelle colère. Quand le Seigneur est en train de parler comme ça. Je hais. Je méprise vos fêtes. Je ne peux sentir vos assemblées. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il est, qu'il méprise l'assemblée des méchants. Tout ce qui émane d'eux le dégoûte. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Non, ton amen doit donner un bon amen au Seigneur. Amen. C'est quand vous avez dit que ça rentre. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Le livre de 1 Timothée 11, pardon, 1 Corinthiens 11, verset 1 dit que il y a le serviteur de Dieu Paul qui dit: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Et regardez le verset d'ici qui dit, aux gens, Jean 1, Jean 2, verset 3 à 6. On va aller un peu directement au 6. Au 5 d'abord. Mais celui qui garde ses paroles, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Écoute bien le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Amen. Si le Seigneur Jésus-Christ est parti à gauche, toi qui sois disciple, tu fais quoi? Tu vas à gauche. Aïe, sois ensemble, frère. Soyons ensemble. Oui, mais ça a commencé à faire le truc. Alléluia. Amen. Paul a dit, soyez mes imitateurs. En réalité, ce n'est pas lui que doit imiter. Il dit de regarder ce qu'il manifeste là. Ce qu'il te montre. Ça n'émane pas de lui. Mais ça émane du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le fait de l'imiter, en réalité, ce n'est pas lui que tu imites, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Ici, on voit dans 1 Jean qui dit que marcher comme Jésus-Christ a marché. En réalité, le Seigneur est venu sur cette terre-là pour nous montrer comment est-ce qu'on doit marcher. Le Seigneur lui dit de limiter. Mais voyons aujourd'hui que le monde a été détourné. Le monde est sorti du cadre de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde est sorti du cadre de la parole de Dieu. Il y a une fête qui est passée, soi-disant chrétienne, qui est dans le 25. Quand nous prenons l'écriture de Genèse 4, 40, Genèse 40, le verset 13. Frère, où Dieu n'est pas là-bas, il ne faut pas te fatiguer pour être là-bas. Amen. Ce que Jésus n'a pas dit de faire, ne t'entête pas à le faire. 1 Jean 2, verset 6 a dit, marchez comme Jésus-Christ a marché. 1 Corinthiens 11 dit, Paul qui était auparavant un meurtrier, un tortureur, par la grâce de Dieu, ne s'était pas, par compassion pour son amour immense, l'a racheté. Alléluia. Il est devenu un serviteur redoutable pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur l'a pris comme un instrument puissant pour la gloire de son Saint-Nom. Et c'est lui qui dit que imitez-moi, Paul. Imitez ce que je manifeste. Parce que ce que je manifeste n'est pas de moi. Mais c'est un membre de celui-là qui m'a racheté, qui m'a appelé pour sa gloire. Donc, marchons comme le Seigneur a dit. Mais aujourd'hui, on voit dans les assemblées. Même dans l'assemblée des saints, des personnes qui sont assises, mais l'esprit est en train de tâtonner encore sur la fête des fêtes. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs doutent. On va voir s'il faut marcher selon les pensées du monde, ou même si Dieu a été marché selon les pensées du monde, ou même selon ses préceptes. Genèse 40, verset 13. Il s'agit ici de je crois que c'est du roi Pharaon. Au verset 13, il a dit, encore 3 jours. Et Pharaon relèvera la tête, ta tête, et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. On ne va pas la peine de lire tout le verset, mais c'est un peu long. Je vais survoler un peu dessus. Et plusieurs connaissent ce verset-là. Pharaon, nous connaissons les Égyptiens, qui sont des personnes qui pratiquent la magie. Alléluia. Qui s'adonnent aux pratiques occultes. Gloire à Jésus. Amen. Qui font consulter des mages, des sages. Ils consultent même les étoiles. Tout ce qui est mauvais, c'est ce qu'ils manifestaient. Et Pharaon était un homme puissant qui manifestait la magie. Parce que lui-même était initié. Si tu n'es pas initié, tu peux être Pharaon. Mais regarde ce que le Seigneur fait. Le Seigneur passe par Joseph, qui après avoir donné une explication claire au songe de deux serviteurs du Pharaon qui l'avaient jeté en prison. Et que maintenant le songe est arrivé à l'existence. Où ce que Joseph va dire est arrivé à l'existence, ça s'est manifesté. Et ce jour-là, il a dit à un, toi tu seras libre, tu vas aller prendre ton service. Mais il a dit à l'autre, le Pharaon va sauter ta tête dans 3 jours. Et il s'est trouvé que les 3 jours sont tombés le jour de la naissance de Pharaon, inspiré par le diable, inspiré par l'homme à la culotte noire. Parce que quelqu'un qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il marche avec le diable. C'est l'inspiration qu'il reçoit, ne demande pas du Seigneur Jésus-Christ, mais il est inspiré par l'œuvre des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les gens fêtent anniversaire aujourd'hui, les fêtes vraiment qui sont inspirés du diable. Pharaon un jour qui est assis dans son salon, Satan vient lui souffler à l'oreille. Parce que il a l'argent, il est puissant. Toi, il est assis là, Satan veut donner des choses à pratiquer. Bon, tu es né un tel jour.
Lève-toi. Fais ton anniversaire. C'est important. Et puis il dit, ah oui, c'est vrai. Il rassemble ses éléments. Rapidement. Bon. Dans une semaine, c'est mon anniversaire. Vraiment, ça m'inspire. Le diable, l'ennemi l'a inspiré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il met sa main dans l'exécution. Ça commence à prendre. Ce que les pharaons ont fait, le peuple aussi commence à faire un peu, un peu. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Le jour de son anniversaire, il a sauté de joie parce qu'il est en joie. Parce qu'il est content, il a bu les meilleurs vins qu'il faut boire. Il a mangé les cuisses d'autruche. Tu vois, autruche, on dirait ma tête. Il est rassasié, il est content, il fait la fête. Pour se réjouir de son jour. Il ordonne qu'on saute la tête de son échanson. Voilà un peu l'esprit qui émane de l'anniversaire. Parce que quand on parle de Noël là, c'est pas l'anniversaire de Jésus d'après les gens. C'est pas ça. Maintenant, c'est ça, non? Ouais. Le jour de la naissance de Jésus-Christ, d'après eux-mêmes. Et ils fêtent ça. Fêter naissance, c'est Pharaon, qui n'avait même pas la crainte de Dieu, qui était inspiré par le diable pour établir ces jours de fête-là. Et le même jour, bon, il sort de la tête de son serviteur. Parce qu'il est content, il est heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit pourquoi tu as fait ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'après lui là, dans son royaume, il n'y a plus quelqu'un encore. Il décide de ce qu'il veut faire. Il saute sa tête et puis il est content. C'est un plateau d'or, gâteau d'anniversaire. Ils sont heureux, ça arrive. C'est un plaisir pour lui. Quand le Pharaon a lu le Matthieu 14, verset 1, voici un corps. Pharaon au moins, en ce temps, le Seigneur d'Allah, Dieu parlait. Mais regarde même ce qui est terrible pour Hérode. Où le Seigneur lui-même prend un corps pour venir sur cette terre, pour se révéler. Hérode. Un gros païen, un meurtrier, quelqu'un qui a eu le courage de prendre la femme de son frère, parce qu'il est puissant. Il a usé de sa puissance, de son pouvoir, pour arracher la femme de son frère, pour mettre à côté de lui. Jean-Baptiste a vu ça, il dit, monsieur Hérode, ce que tu fais n'est pas normal. Alléluia! Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Il dit, ah bon? Et le Seigneur a entendu ça, elle a vu que c'est Hérode, il est puissant. Elle n'a pas eu à son mari, elle a accepté. Elle a gardé rancune. On connaît toute l'histoire. Hérode enferme Jean-Baptiste. Un jour arriva où Hérode se lève un matin. Parce que ce que Pharaon a fait là, ça a pris de l'ampleur. C'est comme maladie. Ça a contesté, c'était quelque chose de contagieux. Ça compte parce que quand tu n'es pas, c'est comme ça. Ça te prend rapidement, tu copies vite. Lui aussi, il est dedans. Il célèbre son anniversaire. Il invite tous les dangereux de son entourage. Les puissants rois, les gouverneurs, il les invite. Ouais, c'est lui, Hérode. Qui pense qu'il n'est pas à lui. Fait anniversaire. Le jour de l'anniversaire, il décide. Va à la fille d'Hérodias, qui est la femme de son frère Philippe. En train de déhancher, de faire les déhanchements de reins, des danses de prostitution, des danses de sensualité, des danses qui poussent à la séduction. Tous les rois sont là comme ça, ils sont là comme ça, 20 ont bu là, 20 ont de la bouche comme ça. C'est que la fille a fait, elles sont traumatisées. Elles se remuent comme ça. Les bailles sur elles, chaînes, partout. Voile sur le côté. Voyez sa forme. Petit rein, séduction va tuer. Et puis elle maîtrise sa chose. Tous les invités, eux tous sont stupéfaits. Qui? Oui. Ça, je suis sûr qu'il y a deux mecs qui ont coupé pour la marier. Moi, ils sont déjà mariés. Ça, je suis sûr. Hérode a vu ça. S'il peut la marier, elle l'a mariée. Mais là-bas, il a réfléchi un peu. Il dit, mais tu veux quoi? Tellement il est saoulé sur l'effet de sa joie maléfique. Une joie diabolique. Il se lève, il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Et puis il tremble sur lui comme ça, un vieux. Mais, même si tu veux la moitié de mon royaume, tiens, en fait, ça. Elle a dansé comment? Si tu veux mon rhum, la moitié de mon rhum, je vais te donner ça. Hein? Elle est paniquée. Tout en joue un coup. Voyez? Satan croit l'esprit. Va voir ta maman. La vieille est là-bas. À maman, ce que le roi a dit, hein? Il a dansé vraiment, il a tué.
Il dit comme ça. Il dit, allez, ah. Vous voyez, Satan, maintenant qu'il vient, comme il guette Jean-Baptiste, il souffle. Sa tête. Elle dit, c'est arrivé. Je finis lui aujourd'hui. Parce que Hérode a déclaré. Il a parlé. Il a juré. Il a mis serment dessus. Il a scellé ça. Il est monté pour descendre. C'est ce que tu as me demandé là. Si elle disait qu'il faut tuer tous les gardes là, il allait faire l'exécution. Ça lui fait mal, mais l'objet lui fait passer la 10. Pendant ce moment-là, quand tu déclares, raison pour laquelle pour vous qui dégagez les paroles de gens, des promesses, et puis vous ne savez pas là, répands-toi. Quand tu déclares une parole, tu as l'obligation de l'assumer. Il dit, bon, viens, que non, je vais la tête de Jean-Baptiste. Hein? Il dit, mais si il est gelé, alors je vais le tuer. Mais le peuple aime son affaire, c'est pas bon. Mais il est obligé de le faire. Parce qu'il a mis serment. Il a parlé avec serment dessus. Il envoie ses gardes. Prison, viens, Jean-Baptiste au courant, il sait déjà. Et il est prophète. Lui-même, il se place bien. Un jour arrivé, il sait. Sa tête. Et en plus, sur un plateau d'or, gâteau d'anniversaire. Vous fêtez des choses que vous ne connaissez pas. Tant que vous ne connaissez pas la source réelle de l'existence de la chose, en avant la tête de quelqu'un sur plateau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bro. Ils sont contents. La fête continue. Le même Hérode qui a donné parler de la manifestation de la puissance de notre Créateur, des choses extraordinaires qu'il faisait. Il est étonné. Même ces magiciens n'ont pas la capacité de démontrer cette puissance. Il dit, mais attention, ça je suis sûr que c'est l'enfant que j'ai tué en prison là. C'est lui que des gens qui croient à la réincarnation. Des personnes qui croient à la réincarnation. Comportement des bouddhistes. Non, si il meurt là, je vais réincarner, attaquer un mouton. C'est ça qu'il a. Non, c'est Jean-Baptiste qui est revenu, mais sous une autre forme. C'est lui qui fait ces choses-là. Il dit, bon, d'accord, je vais voir Jésus dont on parle là, je vais le voir. Le jour où il a eu l'occasion de voir Jésus, ça dépassait la joie de son anniversaire. Frapper la femme de notre Créateur, gifler la femme de notre Créateur, tirer sa barbe arrachée. Tu t'imagines un peu la barbe de quelqu'un dans ses pores. On dit, yeah! En bonne session, on le frappe et puis il est content, il rit. Mais il faut démontrer maintenant. C'est ce Hérode-là qui a eu à faire anniversaire. Que toi, tu dis que tu es chrétien. Tu copies le Jésus que tu dis dans ta bouche. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oh, amen. Tu dis son nom. Un peu dedans, un peu dehors. Tu dis son nom. Tu vas faire l'œuvre. Tu vas manifester quelque chose qui ne manque pas de lui, mais qui manque de son ennemi. Hérode était un gros païen. Pharaon était un gros païen. Quand il a manifesté des choses abominables. Or le Seigneur a dit, marchez comme j'ai marché. Ils ont fêté. Et ce qui est dangereux, nous savons. Vous qui tombez, réveillez-vous au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui tombent actuellement. Arrêtez de méditer. On est même pas en train de venir un peu. Tu dors déjà. Feu sur toi si tu dors. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi de vous, faut acclamer un peu. Faut te remuer un peu. Lève-toi de nous. Faut acclamer un peu. Mets-toi de vous, acclamer un peu le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. En fait, il est très important. Assieds-toi. Sois béni, frère. Sois béni. Il est très important quand il vient dessus. Parce que bouchon là, il y a un peu qui est resté. Ça doit tomber. Ça doit quitter carrément. Et quand il en a un peu, il faut que ça tombe carrément. C'est la vérité. Même parmi les saints, dans l'église, il y a des personnes, dans leur cœur là, ils ne croient pas. Qui était Hérode, qui était Pharaon? C'était des païens qui n'est pas la crainte de Dieu, qui avaient vu des débauches, des pudiques, qui prend ses femmes là, ils marient comme ils veulent, c'est pas le problème. Ils tuent comme ils voulaient. Et c'est ce qu'ils ont fait qu'aujourd'hui les chrétiens se lèvent à faire. Quand le Seigneur est venu sur cette terre, quand il est tapé les 40 jours, il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à évangéliser. Répentez-vous.
Quand le règne des cieux est proche, repentez-vous, sortez de vos abominations. Chrétien, chrétienne, c'est ça là Jésus dit, faut faire. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jésus dit de faire, chrétien, chrétienne. Nulle part dans les Écritures. Jésus a dit, faut méditer parole là, de grâce, nuit et jour. Quand tu as un petit bout de temps, faut méditer. Le Seigneur, par sa grâce, va délivrer des choses dans lesquelles tu vas tomber dedans. Quand tu attends, tu vas dire, griller ça là. Comme ça, tu dis, attends un peu. Si j'ai l'écoute de toi, tu es un menteur. Feu sur toi. Tu sors. C'est vrai, moi, j'ai fait ça avant, à ma propre honte. Et puis, ce qui était dangereux pour moi, c'est que j'avais connaissance que ce n'est pas pour Dieu. Mais inspiré toujours par le diable, la clôture noire, qui me poussait comme ça. C'est pas grave, vous faites ça, fait rien. Mais je n'avais pas connaissance de l'enjeu spirituel, le dégât qui se cache derrière la chose. Plusieurs personnes sont là, plusieurs. Non, mais ça fait rien si Jésus est né un jour qu'il n'a pas dit. Mais ça fait quoi si on décide un jour de fêter sa naissance à Pont? On t'a dit que ça coûte des choses, Jésus est venu sur la terre. Hein? Jésus n'est pas venu à cause des choses. Vous venez augmenter tes problèmes. Alléluia. Parce que le même qu'il y a Ecclésiaste 9, Ecclésiaste 10, 11, si je ne me trompe pas, jeunes gens, faites, faut boire, faut te réjouir. Oui, c'est vrai, bois des champagnes, fais ta fête. Mais attention, un jour, en tout cas, pourquoi tu vas mourir? Un jour, tu seras appelé en jugement. C'est ce même truc qui est venu sur la terre pour venir fêter l'anniversaire, pour venir faire chaud. Parce qu'il a fait 6 pots d'eau, 6 pots de vin. Donc c'est la fiesta. Si tu ne connais pas la révélation, la lettre quoi? La lecture, mais c'est l'esprit qui ouvre ta connaissance. Plus instant que je n'ai pas de Dieu. Mais comme ils ne sont pas spirituels, ils ne connaissent pas l'impact, le danger qui se cache derrière ces fêtes-là. C'est l'homme à la glotte lui-même. L'homme noir à glotte là, ce gars-là qui est ça. Pierre n'a pas le temps de fêter. Pierre, je suis sûr. Il fêtait ça avant. Avant. Parce que on sait le Seigneur les a sortis. C'était tous des païens. Des personnes qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils étaient voleurs. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Donc assurément qu'ils ont eu à participer à des anniversaires. À ce moment qu'eux-mêmes ont eu à fêter l'anniversaire. Mais lorsque le Seigneur, par sa grâce, se montre à eux, par sa grâce, par les enseignements, je ne suis pas là-bas, attention, sors de là. Ils ont laissé ces pratiques abominables. Alléluia. Parce que le Seigneur, par sa grâce, lui a donné un enseignement. Pour dire que là-bas, là, je ne suis pas là-bas. Si tu continues à faire ça, tu meurs, tu ne me feras pas. Ils ont abandonné. Pierre n'a pas fêté son anniversaire. Je n'ai même pas vu où j'ai eu le temps de s'asseoir pour tuer pour le fêter. À part le jour de la Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils n'avaient pas ce temps-là. Les hommes meurent. Plusieurs meurent dans le mensonge. Plusieurs meurent dans l'égarement, ils vont en enfer. Jésus n'avait pas le temps de fêter ces choses. Ces choses n'émanent pas de lui. Il n'a pas, il n'aura jamais un jour de naissance pour le Seigneur. Parce que tu sais, nous savons que toi qui me regardes, qui est tombé sur ce côté-là, il faut bien attendre. Il est l'ancien des temps, l'ancien des jours. Apocalypse 1, verset 17 dit ceci. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il n'a pas de jour. Mon Jésus, non, c'est Christ que nous vénérons, que nous adorons, nous célébrons, n'a pas 2023 ans. La création, la terre ne peut pas être plus âgée que lui. C'est une abomination. C'est une abomination. Le mec a créé la chose. C'est qu'il a créé la plus vieille de lui. C'est quel mystère ça? Ça, c'est quel mystère? C'est un faux parler en langue. Il faut dire, c'est un faux parler en langue. C'est un faux mystère. C'est l'œuvre du diable. Aïe. Toi, ça veut dire que même Jésus, quand on fait René Caïn.
On veut tuer un âge encore de Jésus-Christ. Quelqu'un ne connaît même pas même son existence. Comment il est le com. Ah bon? Et ils sont assis au crème, Marie fait ça de Jésus, il a 2023 ans. Et puis ça fait son anniversaire. Toi qui avais cette pensée auparavant, que toi encore sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois réellement délivré au nom de Jésus. Amen. Parce que si ça se dans ton cœur, si quelque part dans ton cœur là, il y a un petit truc encore dessus, fais attention, fais très attention. C'est vrai, s'il fait feu, tes mains fuient. Mais ça ne va pas te sauver. Le Seigneur qui donne don, il ne se répand pas. Mais il se retire par son esprit. Il peut manifester les dons, mais pas avec son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amos 5, verset 13, verset 15. Haïssez le mal et aimez le bien. Fêter Noël, c'est aimer le mal. Ne pas fêter Noël pour la connaissance réelle de Jésus-Christ, c'est aimer le bien. Les fêtes païennes, les Saint-Sylvestre et Saint-Valentin, les Saint-Sylvestre, et puis ce qui est dangereux, ils mettent Saint-Denis, malédiction. Trouver un jour pour célébrer la fête des mères, qui a dit ça? C'est écrit où? Non, quand on parle, elle dit, honore ton père et ta mère. Ah bon? Ah bon? Donc, parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère, tu dois prendre un jour, fixer un jour pour faire de ça une fête mondiale. Pour célébrer une entité maléfique et la reine des côtes qui se cache derrière ces fêtes-là. Oh, elle là, il n'est pas à moi, c'est un sorcier. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. En honorant le Seigneur Jésus-Christ, charge de notre vie. Nous devons honorer nos parents, charge de notre vie. Le père, il a laissé la maison, il a son fils à voler en prison, c'est un déshonneur. Alléluia. Alléluia. Le père, il a tenu son fils, sa fille, a eu à faire des choses à mettre dehors. Ils sont emprisonnés. C'est un déshonneur, c'est une honte. Honorer son père, c'est bien se comporter selon la justice de Dieu. Alléluia. Tu peux faire des cadeaux, charge de ton père, ta mère. Mais il ne faut pas prendre un jour spécial, un jour décrété par l'œuvre du diable, pour faire de ça une fête. Pour dire non, on va célébrer les mamans. Les mamans, ça sort des pailles en ordre dans des autres. Ton père est là, tu vas le coup de ça en fait si tu ne te réponds pas. Les gens disent de l'écriture, ils renversent. Non, mais Dieu, il doit donner les parents, non? Ah bon? Pas pour fissurer quelqu'un. Mais regarde. Une fille qui a gardé sa virginité. Alléluia. Amen. C'est un honneur. Jusqu'au mariage, c'est un honneur pour le père. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ton papa te dit, hey, ma fille, sors de copinage, arrête en fait de goéga. Quand tu vas, tu persistes, c'est un déshonneur. Si tu veux aujourd'hui, il faut acheter un cadeau pour ton papa dire merci. C'est pas péché. Je n'ai pas dit que le cadeau fait incline le cœur des rois. Quelqu'un est fâché, comment quand il vient lui devant, le gâteau qu'il l'aime là. Quand il met crème là comme ça, il rit comme ça. Et toi, tu aimes ça, tu m'as eu. Voilà, elle mange. Par là, c'est fini. Il n'est pas mauvais d'offrir des cadeaux. Mais sache, fais attention au type de cadeaux que tu vas offrir. Le Seigneur, le livre de Luc 16, verset 15, dit quoi? Vous cherchez à vous plaire, à plaire au monde. Tout ce que le monde élève, tout ce que le monde attrape comme ça, par les saisons dedans là. Voleurs, musulmans, bouddhistes, catholiques, les fausses religions, les satanistes, les occultistes. Lui, il n'est pas dedans. Et il ne sera jamais dedans. Toi qui te prépares dans ta tête pour te cacher. Pour te préparer par rapport aux fêtes des mères à venir. Oui, mais Saint-Valentin, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ lui-même, qui est le modèle parfait, n'a pas fêté ces choses. Non, comme je suis venu par le vent de Marie, je vais l'honorer aujourd'hui, un jour spécial qui est fête des mères. Ah bon? Satan, il est très rusé. Il inspire des personnes qui sont pas réellement affermis dans le Seigneur, qui sont même des païens, pour mettre quelque chose sur place. Oh, il a déjà stické, il a déjà un stické, c'est l'esprit derrière,
Qu'en réalité, quand on fêtait cette fête, ce n'est pas, la vie fête. La mère qu'on fêtait, c'est la fête des mères. La sirène des eaux. Soit délivré du nom de Jésus-Christ. Un jour décrété spécial, chaque année, qui se répète chaque fois, attention. Qui n'aime pas Jésus-Christ, Jésus n'est pas dans ces choses-là. On peut faire plaisir à sa mère, son père, si tu as les moyens chaque jour que tu fais. C'est pas un péché, c'est pas mauvais. Tu fais plaisir à tes parents. C'est que là, il m'a. Donc, soyez délivré au nom de Jésus-Christ. Non, ma maman là, depuis là, je l'ai pas dit, il n'est pas dit que vraiment, il a fait au moins transférer 5 000, ça fait quoi? C'est son cadeau. Ah, Dieu, on t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Jésus-Christ t'a vu. Alléluia. Le livre de 1 Jean 2, le verset 15. Nous connaissons ce verset. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est clair. J'entends des personnes dire, non, mais on ne peut pas profiter un peu. Tu as profité de quoi? Il y a quoi de profitable pour ton âme dans le monde là? Alléluia. Le livre de Galates 5, verset 19 à 21. Je vais lire. Alléluia. Qui est là ce soir? Amen. À qui est-ce que le Seigneur devait tomber les écailles de ses yeux là? Amen. À qui est-ce que le Seigneur devait renforcer encore une connaissance? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est-il là? Yes. Faut aimer le Seigneur, frère. Faut aimer Dieu. C'est important. Tu n'aimes pas Dieu, tu es foutu. Alléluia. Galates 5, le verset 19, ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Faut dire ton frère, l'envie. L'envie. Faut bien parler, l'envie. L'envie. Parle bien, oh. L'envie. L'envie. Est-ce que avoir l'envie d'évangéliser, c'est mauvais? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que plusieurs que ton envie. Ton envie, c'est péché. Attention. Ton envie, là, ça s'appuie sur quoi? Tes envies vont s'asseoir sur quoi? Tu es là, tu as envie de porter collant. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Tu es là, tu as envie de vomir. Sois délivré au nom de Jésus. L'envie de mériter la parole du Seigneur dans toute sa profondeur, de sorte que le Seigneur, par sa grâce, ouvre ton esprit. C'est une gloire, c'est une grâce. Ce n'est pas cette envie-là que le Seigneur parle ici. L'envie ressort des choses négatives qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu es là comme ça, le Seigneur, par son esprit, te met l'envie de sortir pour l'évangéliser. Il faut dire yes. Sors, évangélise à coco, faut évangéliser avec puissance, autorité, avec power. C'est là, Satan, mais tu as envie d'appeler ton gars, appelle-le. Tu as envie de l'appeler dans longtemps. Hein? Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un fou envie. Il y a l'envie de l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'envie de l'esprit malin. Est-ce qu'il entend quelque chose? Est-ce qu'il entend quelque chose? Avoir envie de manifester la puissance de Dieu.
faut aimer ça bien même. Parce qu'il a dit aspirer au don. Aspirer au don. Et non aspirer à la prostitution. Et non aspirer au mensonge. Et non aspirer aux fêtes païennes. Actuellement, l'atmosphère de ce temps-là, c'est très dangereux. C'est une atmosphère qui relâche des envies maléfiques. Quand je donne tu sens l'atmosphère. Et ça commençait depuis le feu. L'atmosphère qui émane de ces fêtes maléfiques. Une atmosphère satanique qui te donne une envie, un désir malsain. De te mettre avec eux. Tu attends là-bas. Tu attends plus de choses comme ça, couper, décaler là-bas. Tu attends qu'on caca là-bas. Quand tu marches ici, ça veut dire que c'est bruit, bruit, bruit. Partout du pas, c'est une joie maléfique qui se manifeste. Une atmosphère diabolique. Une joie maléfique inspirée sortant du diable. C'est là que tu manges même là. C'est paf qui est ici, paf, t'es pas envie de tomber. Quand on blague, le Seigneur a dit de jeûner, de prier pour ne pas succomber. Pour ne pas succomber, succomber aux tentations. J'ai dit, si un jour que le Seigneur, par sa grâce, il m'a révélé comme ça, il m'a dit par mon esprit. Tu peux jeûner 40 jours. Oui, c'est vrai. Tu as tes requêtes, tu jeûnes. Mais lui, il a sa part. Dans les 40 jours-là, il va prendre quelques jours dedans. Écoute-moi très bien. Il prend quelques jours dedans pour t'empêcher de tomber en situation à venir. Il prend ce jour-là pour te fortifier d'avance pour avoir une situation à venir. Non, j'ai pris 21 jours de jeûne et je n'ai rien vu. Attends un peu, tu vas voir. Tu marches avec ton frère dans la foi, qui n'aime pas jeûner, qui n'aime pas prier. Tu passes à un lieu dangereux où il y a une force maléfique qui t'active puissamment. J'ai pris l'exemple de la séduction. Une servante de la Seine des Eaux, une sorcière, quand elle te regarde comme ça, tes pieds tremblent. Tu sens, oui, j'ai vu une fille comme ça. Alléluia. Elle vend des gars là où je travaille, frère. Quand j'ai observé la soeur, ouais, frère, ne t'amuse pas. Il y a une puissance qui émane d'elle, une puissance maléfique. Quand j'ai détecté ça, non, c'est un combat, frère. Elle n'est pas grande taille, hein? Ouais, taille là. Mais elle a une beauté. Pas une beauté extraordinaire. Mais l'esprit qui est incarné en elle, en train de faire un travail puissant. Ce que je lui ai demandé, attends toi. Dans ta famille, il y a un marabout. Elle me regarde comme ça. Elle est quelque chose qui me pose là. Frère, la soeur là, quand elle passe, elle porte, c'est du là, hein, c'est une fille du là. Elle porte vêtements, sa femme, je n'ai jamais vu sa poitrine dehors. Elle porte voile, mais attention. Hey, la sirène travaille avec elle inconsciemment. Il y a une attirance qui émane d'elle, frère. Et je là, des fois, il a regardé. Hey, ouais, Seigneur, fortifie-moi. Je l'ai dit avec la profonde. Et je me rends compte que si c'était dans mes familles, dans mon passé là, il y a longtemps, ça a fait un voyage. Mais le Seigneur, par sa grâce, qui m'a appelé pour sa gloire. J'ai dit au Seigneur, je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Il m'a plongé après des mois de jeûne de prière. Jeûne de prière en ordre et en désordre. Quand les gars me dit, même pas si tu as jeûné, quand on faisait lancer, tous les os sont dehors. Mais j'ai vu que cela n'était pas en vain. Quand on prend le scrutement du passé Jonas, où il a dit. Il devait faire un voyage dans le monde sous-marine. Il a pris 7 jours. Pourquoi? Un sataniste, hein? Il va rejoindre ses collègues, mais qui sont supérieurs en puissance que lui. Qui ne sont même pas des hommes, des esprits, des sirènes. Il a dit pourquoi? Parce que quand il rentre là-bas, il y a une puissance d'attirance diabolique qui est très puissante. Tu n'es pas fort, tu restes, tu ne sors plus.
Même les satanistes jeunes, pour ne pas succomber au diable. Parce que Satan, quand tu as raté, lui, il te frappe très mal. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Faut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Priez et chaînons. Prions et chaînons. Prions et chaînons. De sorte que ces fêtes-là n'est pas des pâques négatives sur notre vie, sur notre esprit. Il a dit, priez, oh, priez et jeûnez afin de ne point succomber aux tentations. Elle a se lever. Elle a fait le tour dans le quartier pour te séduire. Le Seigneur, par sa puissance, t'a déjà préparé d'avance. For yes. Yes. Je dis que c'est puissant, frère. C'est puissant. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est là, ça a chauffé là. Non, homme de Dieu, moi, il ne fait pas. Hein. Ah bon? C'est vrai. Non, je ne prends pas part. Hein. Ah bon? Quelque part, c'est vrai, mais attention. Si pas, pas de façon consciente, empêche. Si de façon involontaire, empêche. Donc, dis que de façon inconsciente, tu peux célébrer cette fête. Alléluia. 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 Je sais qu'après le Seigneur va descendre sur toi une pluie de jeunes, une pluie de jeunes, une pluie de jeunes, une pluie de jeunes par son esprit pour te fortifier d'avance. Envoie cela avec le Seigneur lui-même. Lorsqu'il parle à la montagne de 40 jours, lui-même est le grand des cieux, qui nous montre un exemple. À la sortie de ce moment, il commence à avoir faim. C'est là maintenant, l'ennemi maintenant vient. Oh, dans la début, ils sont jeunes là. Il lui lançait des pensées. Hein? Ton forum, ton jeune, il a vu que ça ne passe pas. Lui-même se présente maintenant. Il vient fa devant God. Il vient fa devant lui. Pour le tenter. Oh, ce que Satan ne savait pas, c'est que le moment qu'il avait, il avait déjà pris là, il avait déjà fortifié d'avance. Le travail était déjà fait par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Merci Seigneur. Dans la chair dans laquelle il était là, étant homme sur la terre, il mangeait, il buvait, il avait des sensations. Ça, c'est le côté humain. Imagine ton côté humain de 15 40 jours qu'il n'a pas mangé, qui a faim. Et puis, on vient lui présenter. On dit non, il faut penser à ça avec caillou. Et puis il mange un gâteau là dans ton gâteau. C'est là que tu as faim. Moi-même, c'est le même là. Quand il mange, même c'est moi-même, c'est chaud, ça a chauffé. Ça va chaud. Mais le Seigneur a surmonté cette épreuve. N'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Colossiens 3, verset 2 dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Aux choses d'en haut, en haut, et non de celles qui sont en bas. Les fêtes païennes, le péché, de ne pas s'affectionner. Quand tu dis affectionner là, on ne comprend pas François. Affectionner, c'est-à-dire que aimer forcément, puissamment, véritablement, aimer en s'attachant à cela. Affectionnez-vous, c'est d'aimer la chose, d'aimer le Seigneur avec attachement, avec puissance et autorité. Je le saisis comme ça, comme ça, comme ça. Mais imagine-toi si les choses du monde t'affectionnent. Tu es lié. Tu aimes puissamment, fortement les choses du monde. Nos frères dehors qui célèbrent ces fêtes là, qui célèbrent ces fêtes, je prends d'abord sur la nourriture. C'est vrai, les narines là, c'est Jésus-Christ qui a créé ça pour qu'on puisse respirer. Alléluia. Pour qu'on puisse respirer, les yeux, pareillement, tout le corps, à un objectif bien précis. Gloire à Jésus. Mais nous sommes dans une atmosphère de fêtes sataniques. Je vais parler un peu de l'atmosphère de la fête. Une atmosphère, lorsque la chair est faible, lorsque l'esprit est faible, n'est pas dans une position bien équilibrée. Ça va t'influencer. L'atmosphère va t'influencer. L'atmosphère de la fête.
Regarde ce que l'ennemi fait. Imaginons que le quartier, en lieu place de cette fête-là, l'amour qui émane d'eux par rapport à cette fête, si cet amour-là hein, émanait réellement hors des fêtes, après, ils prennent peut-être un jour de culte où tout le quartier, l'atmosphère que nous ressentons, ils mettent ça dans la sanctification. Alléluia. C'est-à-dire que tout le monde est dans la sanctification. Imagine-toi la puissance de Dieu qui sera relâchée. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour qui émane des hommes dans ces fêtes maléfiques-là. Si le monde prenait ça pour se concentrer sur le Seigneur. Hey, hey, hey. Hey. Jamais tu passes, mais tes chansons, tu tombes. Parce que tout le monde en joie dans le Seigneur. Ça loue, ça célèbre le Seigneur. Avec amour, assurance. L'atmosphère est agréable. L'atmosphère est puissante. L'atmosphère est rentable. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. De sorte même à influencer d'autres personnes qui sont loin. Waouh. Vraiment, il sent une puissance. Le Seigneur est en train de se manifester quelque part. Mais regarde l'atmosphère magnifique qui se passe. Tout le monde est concentré sur une seule chose. Tout le monde est focalisé sur une seule chose. La fête païenne. La soeur est très près dans la cour. C'est-à-dire que le jour de la fête, là, tout ce qui se prépare, vous faites très attention. Alléluia. Ça, c'est une révélation que je suis en train de vous donner par la grâce de Dieu. Le jour de la fête, là, fais attention à ce que tu apprécies. De par tes narines, de par tes yeux, de par ton langage, dans ton intérieur, dans ton cœur. Le jour de cette fête, le Seigneur a dit, je hais, je méprise. Je hais, je déteste de toutes mes forces par ta abomination. Parce que je ne suis pas dedans. Ces choses émanent de mon ennemi. Ne vous attachez pas, ne vous liez pas à ces choses. Je les hais, je les hais, je les hais, je les hais. Lui qui dit par sa parole de faire comme il a fait, de marcher comme il a marché. De cette même manière, avec puissance, reste et mettez. Tu dois aussi haïr cette chose de toutes tes forces. Le jour de la fête, avant des personnes, ça c'est une réflexion que je m'a fait avant-hier. On m'a dit hier, on m'a fait un peu. Hein. Je me suis déporté, vite, vite. Hier, la soeur a vraiment, sa coiffure est jolie terre. Hier, yeah, c'est jolie terre. Oh, cette coiffure était dédiée pour l'œuvre des ténèbres. Cette coiffure était faite, dédiée à l'œuvre de cette fête maléfique. Cette coiffure a été faite pour donner, pour occasionner, pour rendre un culte au diable. Tu ne dois pas apprécier cela. Au contraire, tu dois avoir un dégoût. Tu dois avoir pitié de cet enfant qui, par ignorance, a été vendu. Vendu. Alléluia. Le Seigneur te fait du bien à ses enfants ce soir. Amen. Tu vas entendre beaucoup de choses. Cela sera important pour ta délivrance totale. Où est-ce qu'il dit, c'est faux? Amen. Ils ont sapé l'enfant. Ils ont sapé la tête à la pointe des pieds. Pour quelle occasion? La Noël, la Saint-Sylvestre, Saint-Valentin, comme ça, comme ça, comme ça. Tu passes. Tu es dans la sanctification, tu connais les Écritures. Tu sais que fait ça là. Dieu n'est pas dedans. Mais par ignorance. Dieu? Aïe. Non, la soeur là. Ça confie le joli d'air. C'est vrai, c'est pour le monde, mais c'est joli aussi. Hein. Je n'ai pas dit, mais c'est joli. Hein. Tu es en train de rendre un culte d'adoration à ton ennemi. Tu es en train de rendre un culte au diable de façon inconsciente. Et là-bas, puis il a clamé, voilà, bravo. Faut apprécier. Faut apprécier. Parce que tout ce qui se fait ce jour-là, c'est pour la gloire de l'homme avec l'autre gloire, une gloire venue, une gloire maudite. Sa robe est jolie derrière la robe là. Non, c'est joli derrière. Tu as déjà apprécié. Réponds-toi. Parce que tu apprécies l'œuvre des ténèbres de façon inconsciente au travers de la coiffure du vêtement de cette soeur. Ton même marche, il passe.
comme ils n'ont pas prié pour jeûner là, ils passent. Ils entendent un son qui est pas là-bas, ils bloquent. Et puis regarde, t'as un musulman qui le voit, hein, un son, le jeu qu'il a fait, et puis il est comme ça. Il faut qu'on s'arrête. Elle là, dans le fait, il danse d'air, il le font même. Et soit délivré au nom de Jésus Christ. Soit délivré au nom de Jésus. Sois réellement délivré au nom de Jésus. Amen. Si tu priais bien au Seigneur Jésus Christ, tu jeûnais véritablement, le Seigneur te panier, je suis là. La puissance qui émane de ces yeux ténébreux, de cette musique mondaine, païenne, inspirée par le diable, je les ai faites, n'aurait pas de place sur ton âme. C'est parce que quelque part tu es faible spirituellement, physiquement, que ça a pu t'atteindre. Tu apprécies des pas de danse dédiés à un esprit impur qui dresse cette fesse. Tu sais comment tu sors un peu des phases dedans. Non, mais le frère, les danses bien d'elle. Il y en a ceux-là. Oh, tu sais qu'elle est mal vêtue. Mais toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Toi aussi, tu te mets égal. Tu te mets sur la même position qu'elle. Parce que tu t'es arrêté. Au lieu que tu t'arrêtes pour vraiment avoir de la peine pour elle. Au lieu que tu t'arrêtes vraiment pour vraiment avoir de la haine. Tu es en train de faire le dégoût. D'avoir compassion d'elle. Mais toi, tu es arrêté avec un regard joyeux. Il y a souris qui sort dessus. Petit souris à côté. Mais le frère, il danse d'air. Il danse d'air. 31 décembre là, tu oublies que c'est 31 décembre, c'est fête dédiée au diable. Toi tu viens apprécier ça, il danse d'air, il danse d'air. La nuit tu vas te coucher, tu es visité. C'est toi qui as créé cette porte d'ouverture. N'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Haïssez le mal et aimez le bien. Je hais votre fête. Je le méprise. C'est un dégoût, c'est une abomination. Faut pas te danser ce bruit. Faut du bruit dans mes oreilles. Ainsi parle le Seigneur. Tu ne dois pas prendre part physiquement, spirituellement de ces fêtes abominables. En faisant cela, tu rends au diable. Est-ce que quelqu'un là? Il faut acclamer le Seigneur Jésus. Tu seras délivré ce soir. Appréciez les coiffures de fête de Noël par les fêtards. Ça veut dire que ce mec qui les célèbre, qui fête ça là, vous appréciez les coiffures qu'ils ont fait, les fêtements qu'ils ont fait. Elle a porté au talon, c'est qu'elle a porté la portée là. C'est pour la gloire de elle-même. En dehors de la fête, ce n'est pas bon déjà. Et puis en plus, ça a été fait conçu. Elle a payé ça spécialement. Quand elle peut être payée là, sa tête là, c'est pour le traité de. C'est pour le premier genre. Donc automatiquement, cela est dédié à l'esprit qui est derrière ces fêtes. L'ennemi travaille. Hein? Alléluia. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Appréciez les différents coiffures faits par les fêtards, les fêtes païennes. Fais de toi aussi un adorateur de ces dieux étrangers. Fais de toi aussi un adorateur de ces fêtes païennes. C'est aussi un culte que tu as au diable. C'est vrai, tu n'as pas mangé. Oui, c'est vrai, tu n'as pas dansé. Mais tu as apprécié quelque part, effectivement. Tu as apprécié quelque part une soeur. Le jour de cette fête abominable, tu as rendu un culte au diable. C'est aussi un cri d'adoration inconsciente que tu manifestes. Et cela crée des portes d'ouverture. Cela crée des portes d'entrée à l'ennemi dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Apprécie aussi les vêtements mondains. En demain, cette fête est dangereuse. En plus, cette fête est encore plus dangereuse. Parce qu'elle est dédiée aux dieux étrangers. Parce qu'elle est dédiée à un esprit impur. Parce qu'elle est dédiée à une entité maléfique. Un démon. L'ennemi du Seigneur Jésus-Christ. Que tu confères ta bouche. Que tu célèbres de tout ton cœur. En faisant cela, tu te mets en conflit avec ton Créateur. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je lui rends
toute la gloire pour ta vie. Parce que jusqu'à là, par sa grâce, nous sommes encore vivants. Alléluia. Par sa grâce, il permet qu'on puisse entendre des choses pour ne pas succomber aux ténèbres ténébreuses, pour mourir dedans. Esaïe 1, verset 11. Où ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des poulets, des cochons, des canards. Le fait d'immoler un animal, je sais fait. L'autel qui est parti, l'autel mondial qui est parti, les autels mondiaux qui sont partis par rapport à ces fêtes, c'est comme si c'est toi à la maison, en versant le sang, en versant le sang, tu verses le sang spirituellement sur tes autels maléfiques. Un autel mondial, positionné par l'homme à gloire noire, que tu as alimenté par ce sacrifice. Or, dans ton derrière, dans ton village, il y a un hôtel qui était parti contre toi. Le fait de sacrifier un animal, un mouton, le jour de ses fêtes, tu es en train de donner de la force à l'hôtel qui part contre toi. L'hôtel est ta famille. Tu nourris l'hôtel mondial qui est là, papa, c'est un fait maléfique. Et cet hôtel va continuer à nourrir, à donner la puissance pour te faire du mal. Tu n'es pas différent d'un féticheur. Tu n'es pas différent d'un marabout. Non, c'est le jour de la fête. On ne gosse plus. Oh, tu as ta grâce, vraiment. Tu gosse plus pour nourrir le diable, pour nourrir les esprits qui te fatiguent, pour qu'ils puissent avoir encore des forces sur toi. J'ai béni le Seigneur pour la vie de quelqu'un. De ce que par sa grâce, il nous a libéré de ces œuvres ténébreuses. Aïe. J'ai la compassion pour ces personnes qui sont là d'ailleurs, en train de... Hey, Seigneur Jésus-Christ. Yes. Frère, ferons toute la gloire au Seigneur. Nous sommes vivants. Hey. Nous sommes vivants, frères et sœurs. Jérémie 6, 20. Yeah. Où ai-je besoin de l'encens qui vient de Saba, du ressort aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne sont point agréables à mes yeux. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, lui qui auparavant acceptait ces holocaustes, lui qui auparavant acceptait cela, dit qu'il n'est plus dans ses... Raison pour laquelle il prend corps semblable à nous. Par compassion, par miséricorde, pour la délivrance totale de ses enfants. Il vient, il se donne en sa un sacrifice qui va parler, qui parlera toujours en faveur de ses enfants. Qui est sur l'image de l'agneau. Un animal innocent, innocent, sans tâche, innocent. Un animal innocent qui vient se donner un sacrifice pour te libérer, pour te sauver, pour te libérer, pour te racheter à un grand prix. Un agneau. L'agneau connaît quoi? L'agneau peut faire du mal à qui? Un agneau. Le sang de l'agneau pour te libérer. Définitivement, le sang de l'agneau pour te dire, ce n'est plus la peine de gorger des poulets, de gorger les moutons, de gorger les cabris, car il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi et moi. Plus de sacrifice d'aliments. Le sacrifice le plus puissant, le sacrifice le plus dangereux, le sacrifice le plus redoutable a déjà été fait par le Dieu créateur des cieux et de la terre.
ennemis, pour te délier des liens des ténèbres. C'est grave. Ce qui se passe là, Dieu, c'est grave. Pourquoi encore immoler des animaux pour des soi-disant fêtes chrétiennes? Alléluia. 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 Seigneur Jésus-Christ, ta grâce. Souviens-toi des enfants là dehors, Père. Car plusieurs, un jour, le Seigneur, parce que le Seigneur va comprendre que, est-ce que tu sais que, c'est-à-dire 2022, il y a des personnes qui ont rendu l'âme au cours de ces fêtes-là, qui ont été programmées depuis l'année 2021. Hein? 2022, il y a des personnes qui ont été programmées depuis 2021, qui sont des pètes de la vie en ce moment. Tout ce qui fait ces fêtes, il y a un décret qui a été des fêtes contre eux. À une date bien précise. Maintenant que ça arrive, il faut le choix maintenant de recevoir, de sacrifier ce qu'il veut sacrifier pour avoir le sang, plus de sang. D'autres ont commencé à fêter. Je l'ai déjà caché des pères ennemis sur la liste noire. C'est déjà scellé. Avec l'aide de ses ennemis, les sorciers, c'est déjà scellé. 2024, ceux qui ont été scellés aujourd'hui, 2024, vont rendre l'âme. En 2023, vont rendre l'âme en 2024. Ainsi de suite, ainsi de suite. Faut dire, Seigneur, épargne-moi de cela. Faut dire, Père, épargne ma famille de cela. Épargne mes frères et soeurs de ces choses. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Aie compassion d'eux. Libère ma famille de ces pratiques. Libère ma famille de ces fêtes païennes. Je refuse. Je refuse que l'ennemi les atteigne pendant ces fêtes. Au nom de Jésus. Le sacrifice des méchants, vous pouvez mettre verset 27. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus qu'il l'offre avec des pensées criminelles. Le Seigneur appelle tous ceux qui fêtent là, c'est la fête là. Que tu sois pasteur, tu sois prophète, tu sois évangéliste, tu sois serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu sois simple disciple. Il dit que vous êtes des méchants. Toi qui me regardes et qui penses à ces fêtes, le Seigneur dit de toi que tu es un méchant, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Réponds-toi et sors de là. L'envie qui est citée dans Galates 5, dans les œuvres de la chair, ça c'est l'envie qui émane de ta chair. Tu dois avoir l'envie, tu dois avoir l'envie qui émane de l'Esprit du Seigneur Jésus Christ. Haïssez le mal, c'est l'envie du Seigneur Jésus Christ. Aimez le bien, c'est l'envie qui émane du Seigneur Jésus Christ. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point, le bien n'est point lui. Il n'a pas l'amour du Père. Ça émane de l'envie du Seigneur Jésus Christ. Laissez-les, mettez-vous à part, éloignez-vous d'eux, libérez-les. Mon peuple, je vous ai mis à part. Ne vous mélangez pas à ces pratiques. Plusieurs dans l'église, Jésus revient. Plusieurs dans l'église, leur cœur encore attaché à ces fêtes. C'est un autre final va apprécier. Quand ils vont nous passer, parce que ça danse en pouca, ça danse jeu de rein. Comment on appelle la fête même? Je suis comme dans mes reins. À la tête comme ça. Un long robe, un force sa tête. La servante de Dieu, femme de feu, Jésus, 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 tu vas voir l'arrêter, il fait comme ça. Au moment où elle se rend compte, hey, Seigneur, pardonne-moi. Ah bon?
avant. Donc nous voyons par là que, de façon inconsciente, on recrute au diable. Et c'est très dangereux. Si le Seigneur tient compte de nos péchés, qu'on en fait inconsciemment, attention, elle a préparé la nourriture. Il y a poulet dedans, il y a pétard, il n'y a pas de porc. Il y a capi. Tout est bien dédié à cette fête païenne. Dédié à l'homme, à la culotte noire. C'est-à-dire qu'autour d'elle, les démons sont là, ils sont contents. Elle prépare avec elle. La nourriture est maudite. 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 Tout ce qui émane de cette nourriture est maudite. C'est vrai, tu sens. C'est vrai, ça sent bon. Mais fais attention à ton appréciation. Papa. La voisine est vraiment, elle est fascinée. Il y a sauce là. Ouais, ça sent bon même. C'est comme ça va le crachat. Ouais. Tu oublies que cette sauce était faite pour une célébration païenne. Un jour qui n'est pas de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu apprécies au-delà jusqu'à au-delà, mais étonné de toi. Tu apprécies au-delà jusqu'à au-delà, mais étonné. Par ton appréciation, demeure sur toi. Lui qui n'est pas accès à ta maison. Par le fait d'apprécier, ils ont senti, ils ont entendu. Parce que quand quelque chose émane de l'ennemi, il y a un point de contact. Il y a quelque chose qui s'énerve là-bas là. Vous pouvez entrer. Paf! Ils sont déjà là. Tu avais mal les têtes avant, c'est parti. Paf! Tu dois te laisser revenir. Aïe. Mais tu as aspiré, tu as apprécié. Une routine dédiée au diable. Ton mal est revenu. Plus dangereux qu'auparavant. Hey, je ne comprends rien. Où est ma tête? Attention à ces fêtes. Le Seigneur prend point plaisir à cela. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. Hey! Est-ce que tu crois en cette parole? Amen. Avec un amen, fais comme ça. Amen. Amen, n'est-ce pas pour moi, c'est pour le Seigneur Jésus. Amen. Il a effacé là-dedans les ordonnances nous condamnaient. Et qu'il subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Par le seul fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans la sanctification. Dans la disposition de ton cœur, tu as une résolution ferme. Tes ennemis sont clous. Ils sont clous. Ils ont perdu d'avance. Si réellement cette parole te concerne, lève-toi pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et faut acclamer Jésus. Hein? Il faut acclamer Jésus-Christ. Ah, faut acclamer Jésus. Il a dépouillé la domination et les autorités. Et les a livrés au public et au spectacle. En les trafondant par la croix. Le fait de ne pas te donner à ces fêtes. Le fait de ne pas participer à ces fêtes. Tu as mis tes ennemis en spectacle. Tu les as livrés en spectacle. Tu les as dépouillés par la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cela par le fait de ne pas t'adonner à ces choses, il y a une récompense derrière cela. Par le fait de ne pas participer à ces fêtes, il y a une récompense derrière cela. Il dit, regardez les fêtes que vous voyez, regardez ça là, ça ne manque pas de moi. N'aspirez pas à ces choses, n'aimez point ces choses, mais aimez, aspirez-vous, cherchez, regardez ce qui vient de là-haut. Amen. Ce qui est moins de moi, donnez plaisir à ma prière, donnez plaisir à mes préceptes, prenez plaisir à mes commandements. Aspirez-vous des choses d'en haut. Amen. Ce qui est moins de là-haut, parce que ce qui est haut, la terre ne peut point détruire. Il n'a pas volé.
C'est toi debout, prends une position d'humilité. Il y a trop de choses à dire, le temps avancé. Prends une position d'humilité, frère. Tu vas certainement me parler au Seigneur Jésus. Oui, tu te reconnais dedans. Tu as apprécié le coiffure de la soeur là, juste de fête. Tu as apprécié les repas. C'est que tu as volé le crachat. Tu as apprécié les pas de danse. Tu as même fait les pas de danse. Dans ton cœur, ta pensée, tu as chanté ces sons montés dédiés aux fêtes maléfiques. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Je veux que tu te plonges. Je veux que tu te plonges. Je veux que tu te disposes. Prends cette repentance. Yes. Hallelujah. Rentre en toi-même, frère. Car cela dépend de ton âme. Rentre en toi-même, frère. Car cela dépend. Ton âme en dépend. Ton âme en dépend. En appréciant ces choses abominables, en appréciant les vêtements, la porte.
la nourriture. Tout ce qui est mandé, c'est fait, Seigneur. Père, je demande pardon de nous. Elohim, aie compassion de nous. Rabbi, aie compassion de nous. Père, nous appelons ta grâce. Nous appelons ta miséricorde, Seigneur. Personne n'est pas fait de nous. Nous ne sommes pas parfaits, Père éternel. Nous sommes Père éternel, seulement. Oui, Père éternel. On a des faiblesses de nous. Mais en toi, nous sommes forts. En toi, nous sommes fortifiés. Père, aie compassion. Rabbi, aie compassion. Par le fait que on a eu à apprécier, on a eu à adorer, on a eu à célébrer ces fêtes maléfiques inconsciemment. Viens fermer ces portes, Père éternel, par cette importance. Viens détruire, viens ôter tout esprit négatif qui s'est lié à nous. Oh, hey, 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 hey. Je crie. L'amour, reconnais ce que tu as fait, reconnais ce que tu as fait, reconnais ce que tu as fait, reconnais ce que tu as fait et demande sincèrement pardon, une repentance à salut, une repentance véritable et sincère. Plus elle est stable,
mais il refuse, je ne crois pas cela. Prie, 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 prie. Prie véritablement, prie véritablement. Prie sérieusement. Qui fait ses fêtes païennes. Oh Dieu,
Oh Dieu, ta miséricorde, je t'en supplie, aggrave ma repentance. Aggrave ma repentance. Je déchire mon cœur. Je déchire mon cœur. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce, papa. Oh Rabbi. Oh Rabouni. J'implore ta miséricorde. Père éternel, fais descendre ton feu pour détruire, pour consumer tout ce qui était placé, tout ce qui était semé par l'ennemi. Parce que j'ai accepté, j'ai adoré, j'ai rendu un culte à l'ennemi en participant inconsciemment, consciemment par ses fêtes. Je t'en supplie, fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu pour détruire cette atmosphère. Fais descendre ton feu pour détruire tous les pièges, les flèches de l'ensoleur qui soient détruits par ton feu. Par ton feu, 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 par ton feu. Toutes les portes qui ont été ouvertes à cause de cela, par l'ennemi, toutes portes d'entrée qui ont été ouvertes par l'ennemi. Père, Père, Elohim, Elohim, par ta grâce, je t'en supplie, ferme-le, ferme-le, ferme-le. Ferme-le, 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 au nom de, au nom de, au nom de, Seigneur Jésus, nous te supplions, souviens-toi de nos parents, souviens-toi de mon frère, de ma mère, de mes connaissances qui sont encore dans ces pratiques, au nom de Jésus Christ, j'ai prié. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Jésus. Frères et sœurs, je bénis encore le Seigneur pour notre vie. Tu peux t'asseoir pour l'instant. Je bénis encore le Seigneur pour notre vie. Parce que son amour pour nous est infini, frère. Au grand jamais. Au grand jamais, le Seigneur Jésus-Christ veut nous voir en enfer. Au grand jamais. Au nom, au grand jamais, le Seigneur Jésus-Christ veut nous voir en enfer. Car tu sais que celui-là n'a pas été créé pour ses enfants. Raison pour laquelle il a dit de se détenir des mauvaises voies. Rien ne lui est impossible. Je te dis la vérité. Rien n'est impossible au Seigneur. Tout est possible pour celui qui fléchit les genoux. Tout est possible pour celui qui fléchit les genoux. On a que tu ne m'entends pas bien. Tout est possible pour celui qui fléchit les genoux. Amen. Tout est possible pour celui qui fléchit les genoux. Amen. Qui fléchit les genoux pour implorer la grâce, la miséricorde, la faveur de Dieu sur sa vie. Et sur la vie de ses frères et sœurs. Frère, oui, peut-être pour toi, cela est impossible. Peut-être pour ton frère, cela est impossible. Mais je connais quelqu'un qui s'est révélé à moi. Tu connais quelqu'un qui s'est révélé à toi. Qui a eu compassion par sa miséricorde. Qui s'est révélé à toi. Pas parce que tu es beau. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu es parfait. Mais par sa grande miséricorde. Par sa compassion. Par son amour infini. Son amour réel. Le véritable amour. C'est devant sa face que tu dois fléchir les genoux. Oui, c'est vrai. Tu as des pensées impures. Frère, soeur, le Seigneur, par sa grâce, m'a fait expérimenter des choses. Quand tu as en toi le désir, quand tu as en toi le véritable désir d'abandonner des choses, et que tu te lèves spirituellement, spirituellement, physiquement, spirituellement, tu te lèves dans la prière. Tu te forces, tu milites devant le Seigneur. Tu détestes ton péché, tu détestes ton péché. Tu te milites. Tu dis au Seigneur, tu refuses au grand jamais de manger pendant une période. Je refuse de boire pendant une période. Et je crie à toi, je fléchis les genoux. Tant que Père, je n'ai pas reçu cela, Père. Je vais toujours le répéter. Je vais toujours jeûner. Je vais toujours crier à toi. Parce que tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne trahis point. En toi, il n'y a pas de trahison. Parce que je sais que
la vie, toi. Tu dois avoir l'amour du Seigneur dans ton cœur. Il faut aimer le Seigneur, frère. Par le Seigneur de l'aimer cruellement, puissamment, redoutablement, afin même de fléchir les genoux où le Seigneur a déjà opéré. Yes. L'amour est une âme redoutable pour le monde des ténèbres. L'amour véritable est une âme redoutable pour le monde occulte. N'a-t-il pas dit qu'un ennemi n'a rien de moi en lui? Il n'y a rien de lui en moi. Mais qui est-ce qui parle comme ça? Qui a cette capacité? Qui a ce courage de parler comme ça? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Seigneur éternel. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Rabbi. Il est le commencement et la fin. Rien n'est impossible. Par lui, toute chose subsiste. Par lui, rien ne peut subsister. Par sa grâce, toute chose vit. Toute chose respire. Tu es là. Par sa grâce, tu vis. Par sa grâce, tu manges. Par sa grâce, tu dors. Par sa grâce, tu te réveilles. Par sa grâce. Il est le temps lui-même. Il est le temps. L'ennemi n'a qu'à tourner autour de toi, frère. Ils n'ont qu'à te lancer des flèches, sœur. Tu peux même recevoir une flèche, deux flèches. Tu peux les recevoir. Mais tant qu'il n'a pas dit que c'est fini, tant qu'il n'a pas déclaré que c'est fini, tu seras là. Tu auras la victoire. Il faut aimer le Seigneur, frère. Lord, 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 yes. Il faut aimer ton Créateur. Aime-le en le craignant. Aime-le en obéissant sa voix. Aime-le en fuyant le péché, frère. Tu as vu le saut que j'ai fait? Aime-le en fuyant le péché. Il faut sauter d'un pas, un bon pas, un bon pas. Tu fuis le péché. Tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ. Il est réel, frère. Il est réel, sœur. Faut dire au Seigneur que tu refuses de tomber. Faut dire au Seigneur que tu refuses de tomber. Je refuse de tomber. C'est vrai. Tu as dit, je vais tomber 7 fois. Mais attention, j'ai vu des personnes sont tombées une seule fois. Ils ne sont plus relevés. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Regarde ces paroles. Il dit, tout ce que tu vas, frère, c'est Dieu qui a dit. Et je crois ce qu'il a dit. Aïe. Tout ce que tu vas demander, demande et tu reçois par la prière. Tout ce que tu demanderas, tout ce que tu vas demander, il n'a pas dit excepté que, il n'a pas dit sans que, il n'a pas dit non celui-là, non. Il dit tout ce que tu vas demander par la prière. Père, je refuse de tomber, je refuse de fléchir les genoux devant le monde des ténèbres, je refuse de tomber dans le péché. Tu glorifies Dieu, Seigneur, que Père, je refuse de mourir dans l'enfer. Que je vais retourner au paradis. Frère, si cette foi est levée, si cette foi est positionnée, si tu t'assois cette foi, c'est pas une foi sur laquelle tu t'assois et puis ça descend. Non, avec ton poids, il faut faire 700 kilos, il faut faire 300 kilos. Mais si tu t'assois sur ton poids, il te soulève, 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 il te maintient à l'air. Malgré ton poids, tu fais 700 kilos, tu fais 1000 kilos, mais malgré ton poids, tu es assis à la pointe de ta foi, en fait ton Créateur, cette foi grandit, elle grandit, elle monte. Il va te donner la capacité, il te donnera les hommes nécessaires pour entrer au royaume des cieux. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, il te donnera cette force, cette puissance. Ce pouvoir de te pousser, de te pousser, de te pousser, de te pousser. Oui, c'est vrai, le vent vient, tu fais un pas, tu remets ta position. Par sa grâce, tu avances, tu avances, tu avances. La pluie vient, le tonnerre vient, oui, tu fais un pas, tu reviens. Par ta puissance, tu avances, tu avances, tu te forces, tu te forces, tu te forces, tu te forces, tu vas y arriver. Lève-toi, on va prier pour la fin, frère. On va pas quitter ici. L'atmosphère de l'esprit est en train de changer, frère.
Si on s'amuse, on va rester là-bas matin. Et je ne veux pas que tu pêches à cause de la fatigue. Mets tes mains en signe de recevoir. D'abord, élève la voix pour le célébrer, pour dire merci pour ce moment. Choses inconsciemment, Seigneur, je t'en supplie. Mets tes mains ainsi de recevoir. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Nous te disons merci, Adonai, pour ta parole qui a encore fait du bien à tes enfants. Pour ta parole qui a encore fait tomber les écailles des yeux des enfants. Qui a enlevé tout bouchon, tout saleté, toute impureté de leurs oreilles. Afin que, Père, tu les délivres encore ce soir. Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Que cet enseignement, cette parole, Père éternel, cette prière, tout ce qui a été fait en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, soit scellé puissamment par ton esprit dans le cœur, soit scellé puissamment par ton esprit dans la pensée, soit scellé puissamment dans ton esprit, dans la marche avec toi, soit puissamment scellé, Père éternel, par ton esprit, dans le corps, dans le sang, dans l'esprit, dans l'âme, afin que ton nom se soit élevé, afin que, Père, de la bouche, ce soit l'adoration, tu lui permets pour ta gloire, Père, je te prie, de nous fortifier encore davantage, quand sans toi nous ne sommes rien, donne-nous de prier véritablement. Donne-nous des prières, véritablement. Donne-nous de jeûner pour ta gloire afin de reposer sur ton bon citation. Afin que, Père éternel, peu importe les attirances, peu importe les flèches, Seigneur Jésus-Christ, nous ne succomberons pas, Seigneur, pour ta gloire. Afin que ton nom soit élevé. Pour que cela soit un témoignage au milieu des païens. Pour que cela, Père éternel, soit un témoignage pour ta gloire. Afin de libérer tes enfants de tout envoûtement. De tout capter les ténèbres, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Je te prie de bénir nos finances. De bénir nos familles. De te révéler à nos proches. D'encore te révéler à nous, Seigneur. Parle par ton esprit. Parle à nos pensées par ton esprit. Parle-nous par ton esprit, Seigneur Jésus. Avant que nous soyons élevés, Seigneur. Je t'en prie. Parle à tes enfants que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit. Afin que ton nom soit glorifié partout où nous irons, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Père, je te prie de passer l'enseignement. De nous donner la force de pouvoir parler de cela à nos frères, à nos soeurs qui sont là dehors, qui sont dans l'ignorance, Seigneur. Afin de les libérer de tous ces liens maléfiques qui sont prêts à ta gloire. Merci, Seigneur, de soin de nous. Merci pour parler de nos requêtes, de nos prières, et de les amener à l'existence pour ta gloire. Que notre prière monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Afin que par ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, par ta volonté,
tu puisses te manifester, tu puisses les accomplir comme tu le veux pour ta gloire, les amener à l'existence autant marqué par toi. Merci Seigneur de veiller sur nos familles, sur notre maison, sur nos biens, sur nos travaux, sur tout ce que nous faisons, Seigneur. Père, je te prie que tout ce que nous allons jeter, tout ce que nous allons toucher, Seigneur Jésus-Christ, soit purifié par ton sang, par ta puissance, par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Je te prie de prendre le contrôle de tout véhicule, de ceux-là qui vont sur Abidjan. Je te prie de prendre le contrôle des maisons, des endroits, des lieux, où sont tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui nous regardent depuis l'écran, Seigneur, je te prie de veiller puissamment, afin que ton nom soit élevé, son nom puissant, redoutable, majestueux, magnifique, extraordinaire, puissant, absolu, de l'ancien temps, de l'ancien jour, du prince de paix, du père de vie, de l'admirable, le conseiller, du Dieu de toute chair, de toute âme, de toute pensée, du Dieu d'Abraham, du Dieu de Isaac, du Dieu de Jacob, que j'ai puissamment, redoutablement, puissamment prié, le peuple prié fortement, amen, 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 amen. Qui donne shalom à ton frère, shalom à ta soeur, bénissons de la main de l'amour du Seigneur. Que ça vous bénisse.